C'est un groupe incroyable. Moi, ce que j'ai apprécié le plus, c'est leur, leur envie, leur détermination, leur implication dans le travail. Et ça, pour un chorégraphe, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, la pièce s'appelle Public. C'est une pièce qui a été créée en 2004. Et c'est une pièce qui a, au départ, été créée pour que des femmes. En fait, il y avait sept danseuses, interprètes. Donc là, ma grande difficulté, c'est comment je travaille avec un groupe de 12 personnes, garçons et femmes en plus. Et puis j'ai complètement réécrit la pièce, parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec la pièce d'origine, si on est plutôt sur un schéma de 25 minutes. Donc j'ai écrit une pièce qui leur ressemble, en fait, en changeant vraiment l'ordre des choses et en me rapprochant d'eux. Je trouve que le groupe est très équilibré et j'ai été aussi étonnée du fait que personne ne l'ait laissé de côté. Or là, il y a un vrai équilibre, une vraie entraide. Ils ont un engagement incroyable dans le corps. Et en plus, ce que j'aime beaucoup et que j'ai vraiment essayé de maintenir, c'est leur différence. C'est-à-dire que je n'ai pas envie du tout que ce soit les mêmes, même si à l'intérieur, il y a des jumeaux. Mais justement, je pense que c'est cette question du trouble, de l'identité, du trouble qui en est, elle arrive quand même à être traversée. Ouais. Je suis demandeuse aussi qu'ils transgressent. J'aime bien aussi qu'ils arrivent à transgresser, donc surtout en répétition. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont juste des interprètes un peu très attachés à la partition ou est-ce qu'ils apportent aussi quelque chose de personnel? Donc ça, c'est aussi une étape vraiment importante. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Très bien. Ouais. Moi, je crois que ça peut être réussi. D'abord parce qu'ils ont beaucoup d'énergie et ils y croient. Et c'est une pièce aussi où ils peuvent amener presque tout le temps des éléments. Donc en fait, ça va grandir encore. Et j'ai senti tout de suite qu'ils étaient à la fois intéressés, curieux, posaient beaucoup de questions. Ils prenaient des notes souvent dans leur cahier pour vraiment marquer tous les tops. Et du coup, moi, j'ai eu l'impression de travailler avec des professionnels, en fait. J'ai pas eu l'impression de travailler dans un conservatoire. Voilà, et puis ils sont talentueux.